joue sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il y a l'ordonnance. Prenez mon joug sur vous. C'est qui parle? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, prenez mon joug sur vous. Regardez comment je suis. Je le suis pour vous. Mon joug est simple, doux et humble. Recevez les instructions. Chaque fois que quelqu'un donne son instruction, si tu veux s'en sortir avec lui, reçois son instruction et garde cette instruction. C'est la même chose dans le gouvernement, dans les sociétés, les entreprises. Ils ont leur instruction. Au Cameroun, on a les institutions, ça veut dire que les lois. Personne ne doit détruire, ni marcher, ni renverser les lois de notre pays, n'est-ce pas? Ainsi que dans tous les autres pays, ils ont leur institution. Maintenant, devant Dieu, nous avons l'instruction que tu t'instruis, il te parle de la situation, que si tu veux être comme moi, voici comment je suis, j'ai un jour très doux. Qu'est-ce qu'un jour très doux? J'ai un comportement très simple. Quand tu me vois, tu perds, tu crois que je fais peur, mais aborde-moi. Tu trouverais que je suis très simple. Amen. Ne jugez jamais les gens d'apparence. Amen. Quand je le vois dans le costaud, tu vois sa manière de regarder vraiment moi, je sais qu'il est méchant. Amen. Allez aborder la personne avant de témoigner qu'il est méchant. Il peut être le plus doux dans la nation. Amen. Mais les yeux trompent. Même quand nous allons au champ, on voit comment le champ est couvert de saleté. On dit qu'on va déficher le champ aujourd'hui. Celui qui est le plus paresseux, tu dis quoi? Tout ce champ. Mais celui qui est fort, qui a déjà méprisé les armes, tu dis aujourd'hui, maman, 13 ans, la fin de l'élargie. Alléluia. Et tu vas le voir comment il va lancer la matière par terre. Tu sens que le gars est décidé à finir avec ses ailes. Mais chaque chose qu'on a peur de cela, cette chose finit par te dompter. Ça finit par te vaincre. La chose que tu as peur là. Enfant de Dieu, sortez de la peur de vos problèmes. Sortez dans la peur de la famille. Sortez dans la peur des moyens. Sortez dans la peur des blocages. Rendez-vous relax en Jésus. Venez sous ses pieds et déposez vos fardeaux. Venez aux pieds du Seigneur. Jésus est là pour toi. Jésus est un homme qui sauve. Tu as péché, c'est vrai, tu as tout fait, tu as nous tué. Mais Jésus est mort pour toi. Amen. Viens et réponds-toi, afin que Jésus parle de toi, la grandeur des nations. C'est lui qui élève. Amen. Prenez donc mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur te demande aussi de changer le cœur. Vous avez des paroles, par exemple, que j'ai le cœur de Pierre. Vous avez seulement le cœur de Jean. Vous n'avez pas le cœur de Pierre. Mais le Seigneur a besoin que vous ayez le cœur tendre. Amen. Celui qui a un cœur tendre ne se mange pas si tôt. Amen. Celui qui méprise toutes choses ne se passe pas si tôt. Amen. Celui qui a vraiment déposé le fardeau auprès de Dieu n'a pas besoin que. De réclamer que les gens se moquent de lui ou d'elle. Amen. Vous devez savoir que cela devrait vous arriver. Amen. Parce que cela est arrivé à Jésus. Amen. On lui a posé toutes ces questions, mais Jésus leur disait, je suis le fils du Dieu tout-en-haut. Pourquoi nous sommes étonnés quand les gens marchent sur nous? Pourquoi nous sommes étonnés quand les gens nous chiffonnent? Pourquoi nous sommes étonnés quand ils nous bloquent la vie? Pourquoi nous sommes étonnés quand nous sommes malades? C'est à nous que ces choses devront arriver. Parce que nous avons l'adversaire du nom du diable. Mais sinon, il est l'accomplisseur de la parole de Dieu. Amen. Moi, je ne le prends jamais comme adversaire. Vu que lui-même, il a été passionné comme moi. Sauf seulement que Dieu lui a donné des gloires et qu'il a boycotté ses gloires. Donc moi, étant enfant de Dieu que je suis, il n'est pas différent de moi parce que Dieu m'a créé, il a créé le diable. Et le diable ne peut jamais me dominer parce que nous avons un père commun. Et moi j'ai mon chemin, il a son chemin. Sortez dans la peur. Chaque chose qu'on a peur de la chose, c'est cette chose qui finira par t'écraser.
Ayez le courage d'affronter avec le sang de l'agneau, affronter avec la puissance. Amen. Chaque fois que tu as donné tes charges à Jésus, ne reviens plus les porter. Vous avez toujours la parole, vraiment. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. Les gens me détestent. J'ai jamais laissé les gens tranquilles. Vous avez déjà remis le fardeau à Jésus, laissez Jésus juger votre problème. Amen. Mais il y a une autre personne qui dit, je suis venu, on prie pour elle, mon enfant est en prison, mon enfant est ceci. On dit, bon, nous prions, on vient de prier, tu la trouves en route, la mort, tu sais comment. Avec tous les problèmes que j'ai là, l'enfant est en prison. Erreur. Mais qui venait de confier l'enfant à l'Éternel? Toi. Qui est en train de se plaindre? Toi. Qui n'a même pas quelque chose de solution? Toi, maintenant tu es devoué à quoi alors? Qu'est-ce que tu veux exactement? Nous devons aller comme des profanes dans la foi. Amen. Quand on va dans la foi, on ne conteste non plus avec la foi. Amen. Dès qu'on dit qu'on a la foi, avant d'obtenir ce qu'on a besoin, la parole de Dieu te dit de remercier l'Éternel de t'avoir déjà exaucé. Tu t'as pas déjà donné la chose en question. Un enfant de Dieu est un enfant rempli de gloire. Amen. Il est rempli de connaissance. Amen. Il est rempli d'harmonie. Amen. Rempli de moyens, de vigueur, de santé, de prospérité. Amen. Surtout si c'est dans la tête. Alléluia. Quand c'est dans la tête, cela finira par s'accomplir. Amen. Mais si c'est que tu es en train de dandiner, tu t'attends, il ne sera pas possible que tu sois béni. Parce que celui qui est béni, avant qu'il ne soit béni, il ressent qu'il est béni. Amen. Il ressent quelque chose. Il y a toujours un moment qui te dit, tu es béni. Tu es béni, quelque chose va arriver, ta vie va changer. Il y a toujours une parole qui t'accorde cette grâce. Bien aimé, ne laissez pas cette grâce pour dire, je ne sais même pas où je suis, je ne sais pas si mes prières, non, non, non. Accepte la parole de l'Esprit. Amen. Tu seras béni, tu es déjà béni. Amen. Tu vas réussir à l'examen, tu as déjà réussi. Amen. Laissez les échecs aux échecs. Amen. Chaque fois qu'on a peur de la chose, cette chose finira par t'écraser. Amen. Je ne fais que vous le dire. Un enfant de Dieu est un enfant courageux. C'est un enfant audacieux. Amen. C'est un enfant dans le sens du combat. Il est toujours chaud comme un soldat en guerre. Amen. Il n'a pas peur parce que c'est que Jésus est derrière lui.